Coucou tout le monde, c'est la Team Miel. Salut et bienvenue dans cette aube du premier jour. Nous voici au sud du bourg Clocher, et j'espère que... qu'aujourd'hui sera une partie plaisante et tranquille, sans problème. T'inquiète, il n'y en aura pas. Donc, je sais pas pourquoi la Taïa nous a pas dit... Ah bah non, elle nous l'a déjà dit sûrement. Ah oui, on est déjà remonté dans le passé une fois. Donc comme nous l'a dit dans... il y a 2-3 parties, notre prochaine aventure se trouve à l'ouest. Une épée? Ça te fait pas de qu'on ait un masque squelette? Non, il y a que Igor qui est trop bête pour se faire avoir. Non, les bombers aussi font un petit commentaire. D'ailleurs, je vais montrer un truc. Je vais montrer comment passer. Parce que normalement, on est censé avoir Epona. Pour aller dans la prochaine zone. Et moi, je vais montrer comment. Ah bah tiens, je vais aussi jouer ce champ. Ça serait bien. Ça serait bien. Tiens, je viens de voir que les trucs derrière ils sont en 2D. C'est super moche. Quoi? T'aimes pas? Très pixelisé. Oh bah écoute, hein, il pouvait pas faire autrement. Sinon ça l'agrée encore plus. J'avoue. Tu vois déjà comment ça lag. Regarde, tu vois les pics qui sont en 2D eux aussi. Non mais ça va encore ça en fait. Donc bon, là le truc à faire en fait c'est de poser une bombe en link normal, de se mettre en Goron. Et au moment où la bombe explose, on va faire ça. Et j'ai raté, pardon. Je recommence donc. T'as vu, une poussière. De sauter au moment où la bombe va exploser, comme ça, et pouf, on passe au-dessus. Et c'est ainsi que... C'est ainsi qu'on détruit complètement le jeu. En allant dans une zone où on n'est pas censé aller. Mais ça, ce n'est pas grave. Regarde, il y a de l'eau. On s'approche de la mer, là, elle. Wouhou. De la mer, là, elle, maman, là, elle. Il y avait des noix mojo dans les... Regarde, il y a Ariel ici. Ah bah oui, il y a plein de goélands. Oh, il y a un gros mot aussi. Ça va, t'as des sous. J'ai pas assez. Ah, tu finiras bien par en trouver. Alors, nous voilà dans la plage de la Grande Baie. Attention aux anguilles géantes. Oh, le retour de Bibi. Oh non, pas Bibi. Oh non, pas Bibi. Du coup là je crois qu'on fait tomber des noix mojo. Non même pas. C'est pas dans ce jeu. Mais si c'est dans ce jeu qu'on fait tomber des noix mojo. Bah, c'est pas logique, il y a des noix dans les arbres. Oui. Raté, raté, raté. Ah voilà, une noix mojo. Regarde, voilà, comment lire ce petit panneau, il a l'air cool. Danger, restez à distance, baignade interdite en raison des eaux troubles. Regarde, il y a quelque chose qui flotte. T'as vu, c'est de la nourriture pour goéland. Je m'en fiche de ça, j'ai montré un endroit touristique. Quelqu'un. S'il vous plaît. Emmenez-moi. Sur la terre ferme. T'as un poisson. Je montre un endroit touristique. Si vous connaissez des vidéos de Jadusable, eh bien, ici, il y a une statue de Ben. Non. Comment ça, non? Tu connais pas les vidéos de Jadusable? Si. Allez, on va quand même lui faire plaisir à ce petit truc. On va l'aider à revenir sur la terre ferme, comme ça il pourra mieux mourir. Vas-y Link, tu peux y arriver. C'est plus léger dans l'eau, les corps. Ah oui, on peut faire bugger le jeu aussi, on peut se transformer en Goron là, au moment où il est comme ça, et on peut le porter avec le Link Goron, du coup le jeu freeze. Oh, les modes zombies Miko. Mais qui est Miko? Je sais pas, mais t'as vu, il a un arc et des flèches sur la tête. Trois arcs même. Il est fort alors. Il a l'air fort du coup. Ça doit être Darmani des Gorons, des Auras. Tu vas me pousser? Non. T'es passé à travers. Mais non, on a switché. À toi, à ton tour. Oh, t'es nul hein. J'aurais pas dû te faire confiance pendant le combat de catch. Tu sers à rien. Discutons un peu. Je suis Miko du peuple des Auras, guitariste dans le groupe Zora. Je crois que c'est la fin pour moi, mon ultime message. Veux-tu l'écouter? Ouais. Elle va être contente. Attends, je me relève un peu, je suis un petit peu fatigué, regarde, je sors d'une guitare de nulle part. 1, 2, 3. Oh baby, écoute-moi, le carnaval commence bientôt, c'est nous qu'ils attendent. Mais cette fille, notre chanteuse, elle a pondu des œufs étranges et a perdu sa voix, on peut plus l'entendre. Waouh, waouh, à la Grande Baie, quelque chose va se passer peut-être maintenant.
Oh baby, écoute-moi, je veux pas te supplier, les pirates Gerudo, ils ont volé les œufs de cette fille. Je suis allé arrêter des pirates, Gerudo, et puis pam pam bam, ils m'ont assommé et je me suis retrouvé ici. Baby, si je meurs comme ça, même si je meurs, je reposerai pas en paix, c'est sûr. Que quelqu'un retrouve ses œufs avant que les pirates s'en chargent, oh quelqu'un guérissez mon âme. C'est tout. Thank you. Qu'est-ce que tu fais, Link? Il a le dos tourné. Il a rien écouté. Il a rien écouté. Il a rien écouté de ce que Miko lui a dit. Et c'est normal, c'était très pénible. Mais non, c'était cool. Moi, j'aime pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ai une grosse bouche. J'allais dire, j'ai un long nez. Oh, je flotte dans le ciel, comme Darmani. Mais que se passe-t-il donc, Laëlle? Comment un Zora peut voler? Ben, tu as pas vu The Wind Waker? Ah mince! Comment une Zora fille peut... voler aussi. Peut voler. Elle, tu vois bien qu'elle a des ailes. Ouais, elle a des ailes, ça va, c'est normal. Oh! La gravité a changé! Enfin, oui. Regarde, c'est... Mais c'est Ruto! Qu'est-ce qu'elle en fait plus là? Plus jolie! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, regarde, c'est une arête de poisson, c'est trop cool. Allons-y, ma chérie. Ruto. Comme ça, tu arrêteras d'embêter Link à vouloir l'épouser. Waouh! C'est ainsi que... des paillettes... se transforment en paillettes. Se transforment en un masque. Du coup, je comprends pas pourquoi le corps disparaît, en fait. Parce qu'il a été remplacé par ce masque. Mais non, mais je veux dire, le corps du Mojo est... en théorie, le corps de Darmani, ils sont encore là. Bon, on sait pas pour le masque pour le corps de Darmani. Vous obtenez le masque Zora, c'est le masque que contient l'esprit d'un guitariste légendaire. Portez le masque avec ses pour transformer Zora. Wouah! Inscris mon chant d'adieu sur ma tombe. Le sort de cette fille dépend de toi maintenant. Bon bah Miko, je sais que tu es un fan de Zelda, mais quand même. Regarde Linky, il a quand même creusé une tombe pour lui. Il a fait une tombe, il a mis sa guitare et puis après il va lui voler. Non. D'ailleurs, cette tombe, elle apparaît ou... Enfin, elle reste après? Ici repose Miko, guitariste légendaire. Nous, les Zora, chant du combat Zora, je ne chanterai pas. Ah, il me semble que, en plus... Quand... Ouais. En appuyant sur R, en nageant, un bouclier apparaît. Il peut reposer, mais s'il est doté, il peut plonger en appuyant sur B. C'est tout. Yeah. Allez, c'est parti. Allez, t'as le masque le plus cool du jeu, maintenant. Quand j'étais petite, j'adorais me transformer en Link Zora. Pour faire ça? Pour faire ça, oui. Je suis un dauphin! J'aimais bien nager. Regarde, un aspirateur. T'appelles comment? Like. Tu connais le like. Il mangerait n'importe quoi. Tu dois les détruire pour récupérer ce qu'ils t'ont volé. Ils m'ont volé ma fiancée! Alors il faut aller se promener maintenant. Je me trompe un peu d'endroit. Oui. C'est parce que j'ai pas de carte, je suis un peu comme la L, j'ai plus de carte. D'ailleurs, en parlant de la L, je vais lui passer ma manette. Oh, c'est gentil. J'espère que je me ferai pas trop avoir. Bon, ça lag, c'est génial. Ça commence bien. Bon. Si, ma musique préférée du jeu. C'est vrai? Oui, je crois. J'aime trop cet endroit. C'est parce que t'as pas encore écouté la musique du quatrième donjon. Bon là, il faut que je nage, mais faut pas que je me fasse avoir. Mmh. Mais en théorie, en fait, il faut que t'attendes, voilà, là t'attends, tu plonges derrière elle. À partir du moment où tu restes sous l'eau... Genre sous l'eau comme ouais, ça? Ouais, c'est bon. Bon, il y a des trucs méchants qui vont m'attaquer. Il faut que j'aille là-bas, je crois. Oui, tout droit. Ouais, t'as tué le poisson. Bah oui, il est pas gentil avec moi. Ah, il faut pas oublier de prendre une photo des Gerudo aussi à un moment. Ça a l'air d'être un endroit suspect par là. Tu m'auras pas de truc derrière moi. Hein.
faut attendre que l'autre elle passe. Vite, plonge. Ah hey, toi, halte. Mais je t'avais pas vu. Ah, poum. Ah, ça doit faire mal. Elles sont fortes quand même pour jeter quelqu'un comme ça. Mince, bah oui, faut faire tout le tour du coup. C'est à gauche. Hein? À gauche. 3, 4. Par là. Bah attends. Non, pas. Continue tout droit. Et oui. Oui. Mais là, normalement. Non, il n'y a pas de truc ici. Je suis où en fait? À gauche. Je sais, j'y allais à non, gauche. Non, mais. Par là, oui, par là, tout droit. Mais c'est à droite là-bas. Mais non, c'est pas à droite, c'est à gauche par rapport à ta position. Ah, mais moi je te parle par rapport à la position de la carte. Y'a pas de carte. Coucou. Non, on descend quand même, Miko, parce que sinon ça marche pas. Vas-y, il faut faire un détour comme ça. On va essayer de faire mieux. Ouf. Nous voici de retour dans la forteresse. Vous me voyez pas ici, c'est pas logique. Allez, plonge. Yeah. Bon, je vois rien du tout alors, du coup. Aussi, là, je vois qu'il y a un bateau. C'est des algues à vous, hein. Non, c'est pas des algues, ça. Oh non, je l'avais pas vu, lui. Alors, c'est quoi? De quoi? Si c'est pas des algues, c'est quoi? Si, c'est des algues, mais c'est moche. Bon, là, elle va pas me voir, je peux... Eh, mais d'où vous apparaissez? Ah, mais y en a une autre qui vient de derrière. Mais oui, mais oui, elle est trop longue. Donc là, ah oui, d'accord. Là... Bah, plonge. Mais ah, oui. Ok. Laisse Miko le temps de le faire. Ok, là, voilà, c'est bon. Vite, vite, vite. Faut pas que tu te fasses avoir. Non, non, non. Ouais, je veux me battre avec les machins. D'ailleurs, on n'a pas ouvert une statue d'oiseau. Non, pas encore. Bon, là, il faut que je me transforme en goron. Ouais. Voilà, on a 3 masques de transformation, c'est beau. Ouais, j'ai trouvé un truc secret. Il est possible de même pas passer par ce truc secret en faisant du hovering. Oui, j'allais dire, toi, tu fais du hovering directement. Oui. Bah non, j'ai déjà le masque du Zora. J'espère que je peux y aller. Ouais. Oh, ça a l'air cool. C'est pas lui. Ça doit être lui. Mais du coup, là, vu qu'on a un masque cheaté, passer la forteresse Gerudo, c'est simple. Allez, youpi. Tiens, il y a même un coffre par terre, c'est drôle. Tu veux l'ouvrir? Non, ça ira. Elle va te balader. Pourquoi des poissons? Pourquoi tu veux les tuer, les pauvres? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, j'avais peur, moi. Ils étaient violets, ça voulait dire qu'ils étaient empoisonnés. Allez, plonge, petit Miko. Alors, quand tu vois un poisson rouge, ça veut dire qu'il est de feu, c'est ça? Non, je sais pas, un poisson rouge, c'est normal. C'est vraiment quelque chose que je viens de faire? Oui. Je me souviens même plus de ce passage. Non, mais c'est des bons poissons. Allez, plonge, petit Miko. Ah, je sais pas, là, si tu peux le pousser. Tu veux que je le pousse? Ainsi, je peux. T'as vu oui. Ça? Là. On peut marcher sous l'eau. T'as des bottes de plomb? Eh oui. Mais encore mieux. Mais tu peux pas faire de roulade parce que t'es trop nul. Non, je suppose qu'il faut aller là. Hein. Oui. Allez, regarde, je vais jouer dans les geysers. Oui. Louf. Oh bah. What? Bah, vu que t'es toujours en mode plongée, Ah bon? Oh, des piquants. Aïe. Attention. Ça marche pas. Oh. Bon, faut bien passer par-dessus, je suppose. Si tu peux aussi passer par en dessous, en fait. Mais il y a des méchants. C'est que des bombes. Ça marche si je fais ça. Ah bon. Tu peux aussi passer à côté. Hein. C'est pour... Ah, ça bouge pas. Non, ça bouge. C'est des bombes. Ah, je croyais que c'était des trucs qui faisaient cling 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 cling. Non, y en a pas dans ce jeu. Je crois. Non, il y en a pas dans ce jeu. Y'a pas de trucs qui font killing killing killing? Non. Ok. Où suis-je maintenant? Dans une salle avec une petite énigme. Encore des trucs qui font killing killing killing. Ouais, des tonneaux! Oh, un quart de cœur! Y'a personne de suspect ici.
Bon, y'a rien, t'inquiète pas. Bon. Faut que j'entre ici alors. Je me souviens pas. Hein. Je vais te trouver. T'inquiète pas, c'est assez facile. Oh, un bouton. Alors. Non, y'a pas de bouton là-dedans. Mais derrière, y'a un bouton. Non, y'a pas de bouton. Ah bon, on tirait. Non, non, je te jure, y'a pas de bouton. Ah, c'est mieux là-bas. Mais du coup, je dois enlever mon Lingoron, mon Lingzerora trop cool, ou je peux faire ça? Je peux faire ça. Ah si, bah non. Et peut-être un bouton alors, finalement, pardon. Je me suis peut-être trompé. Bah, du coup, ah si, il y avait un bouton, pardon, excuse-moi. Oh là 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 là! You can't hate me now! Je me disais que je suis pas folle. Ça se casse ça, non? Oui, avec son déroulade. Roulade de la mort! Ah oh, d'accord, c'était pas du tout celle-là que je voulais battre. Ouais, bah voilà, c'est ce que je voulais faire au début. Non, mais j'étais pas folle, j'avais bien vu un bouton. Pardon! Bon, dépêche-toi parce que ça ferme. Wouah, ça ferme vite! Ah, tu sais quoi, je vais te cheater. Je vais cheater le Goron. Non, bah je sais pas si la roulade ça va vraiment plus vite que. Que le mojo qui tourne. Oui, tu vois, si tu fonces dans les murs, c'est sûr. Et voilà. T'as largement eu le temps. Je préfère rester un Goron, enfin, un Zora, pardon. Donc je prends ce quart de cœur parce qu'il est trop cool. Regarde, Link, il sourit. Et tu obtiens... Et là, pardon, tu obtiens... Ah, je n'arrive plus à parler. Tu obtiens même ton 10e cœur. Et puis du coup, bah, je vais rester en prison. À jamais. Ouais. Le temps que tes 10 cœurs s'éteignent. Voilà. Donc au revoir tout le monde. A bientôt. Je vais moisir en prison ici. T'inquiète pas, là elle va venir te sauver. Attends, je vais jouer de la musique pour montrer ma peine. Au revoir.